ma cause contre les gens sans merci. Bonjour les amis, nous sommes dimanche aujourd'hui les amis. J'ai reçu une alerte, voilà, de la sœur Nicole. Oui, Irie qui m'a dit, Edo, ça ne va pas chez le frère quoi, Justin. Edo, s'il te plaît, faut vérifier. J'ai vérifié et vraiment, c'est triste. Il y a plusieurs personnes fiables qui ont posté, comme par exemple le fils du président Laurent Gbagbo, qui a dit que ça ne va pas. Ça ne va pas chez notre frère Kwa Justin. Voilà, le frère Kwa Justin est en ce moment-là à la prison de Boaké et où ils l'ont mis avec les criminels. Pour rappel, le frère Kwa Justin fait partie du FPI, il a toujours milité au FPI, il a vraiment cette passion-là de vouloir aider les autres et il a toujours milité pour aider vraiment le président Laurent Gbagbo dans sa lutte. Il était un jour au travail comme ça quand on est venu le prendre pour l'emmener vraiment en prison. Et c'est triste. Je vais vous lire le post de plus de deux personnes. Le premier post, c'est celui de Michel Gbagbo, le fils du président Gbagbo. Alerte, les nouvelles qui nous parviennent du camp pénal de Boaké ne sont pas du tout bonnes. Oui, le secrétaire général adjoint Justin Kwa est dans un état critique. Si rien n'est fait, le pire risque d'arriver. Son état de santé s'est profondément dégradé. Parce qu'amaigri et affaibli par la maladie, le secrétaire général adjoint Kwa Justin n'arrive plus à se tenir sur ses jambes. Et malgré cela, le porte-parole du FPI est toujours en isolement au camp pénal de Boaké où il est détenu depuis 3 mois. Eh bien, c'est le lieu d'alerter l'opinion nationale et internationale, les ONG de lutte pour les droits de l'homme, mais aussi et surtout la direction du FPI. Donc, quoi, Justin est le porte-parole. Que Dieu veille sur toi, le Ché. Signé Michel Gbagbo. Oh mon Dieu, qu'avons-nous fait pour mériter ce sort? C'est difficile, les amis, c'est difficile. Que devons-nous faire pour aider notre frère Kwa Justin? Le FPI, vous êtes informé. Que pouvez-vous faire? Les ONG, vous êtes informés. Que pouvez-vous faire? Que pouvez-vous faire pour ce frère Kwa Justin là, en ce moment? Et oui, toi Ivoirien, si c'était ton frère, qu'allais-tu faire dans cette situation? Qu'allais-tu faire dans cette situation? C'est triste. Nous sommes tous des êtres humains. Nous sommes tous des êtres humains. Il n'y a pas un être humain qui est mieux que l'autre. Non, pas du tout. Nous sommes tous des êtres humains. Et donc, si un frère est malade, il y a lieu d'appeler les médecins, il y a lieu de l'emmener à l'hôpital. Et oui, il y a lieu de l'emmener à l'hôpital. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut pour qu'on puisse l'emmener à l'hôpital. Mais si aujourd'hui, il s'avère que le frère Kwa Justin meurt en prison, et oui, tous les Ivoiriens vont se tenir responsables. Parce que l'alerte est passée. Et si aujourd'hui, les uns et les autres sont indifférents et qu'il n'y a pas quelqu'un au moins qui puisse au moins apporter son secours ou alors influencer pour qu'il puisse avoir quand même des précautions qui soient prises pour qu'on puisse l'emmener à l'hôpital. Je ne sais pas quoi d'autre. Et oui, je ne sais pas quoi d'autre faire. Comme je le dis, tout ce que je peux faire, c'est relayer l'information. J'ai fait ma part. Et le reste, là, c'est aux responsables du FPI, c'est aux différentes ONG comme Amnesty International ou tous ceux qui peuvent aider d'apporter leur secours. Je ne vais pas rester indifférente à cette lettre qui a été postée par Boubacar Camara. Et je vais vous lire un peu ce qu'il a dit. 120 jours de prison et de souffrance aujourd'hui pour le Ché. Justin Kwa. L'un de mes plus grands regrets, c'est de te savoir en prison actuellement parce que c'est la volonté du tyran. Tu m'as toujours dit que le plus important pour toi, c'est reconstituer le parti du président Gbagbo, rien que ça. Et que les postes de députés, ministres et autres ne sont que des gadgets politiques pour lesquels tu ne vendras pas ta dignité et ton intégrité. Et ça, tu l'as toujours démontré. Aujourd'hui, tu es en prison. Si j'étais un de tes amis,
et que j'avais parole dans les instances du parti, j'allais proposer ta candidature et me battre pour ça, juste pour te montrer ma fidélité. Malheureusement, je ne statue pas dans les instances. Courage à toi, chef, car je sais que tu n'es pas un friand des gadgets politiques comme tu le dis. Tu reviendras parmi nous et tu reprendras ta place sur le terrain. Au moment opportun, Dieu t'établira, car tu sais toujours attendre le temps de Dieu. Libéré quoi, Justin, leader de la jeunesse ivoirienne. Oui, c'était le message de Boubacar Camara. Oui, un message qu'il a posté le vendredi dernier. Merci mon frère, merci pour ce témoignage, merci. J'appelle tous les médecins de Boaké, tous les pharmaciens de Boaké et environ, Yamsokro, Toumodi, tous ceux qui peuvent aider le frère quoi, Justin. Essayez de voir comment vous allez pouvoir l'aider. Ne restez pas indifférent, car c'est un fils du pays. C'est un fils du pays. Il aurait pu être votre fils. Il aurait pu être votre frère. Ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié. Ayez pitié. Il ne faudrait pas que le pire arrive. Nous avons encore le temps pour éviter cela. Faites le bon choix. Les amis, je vais vous laisser pour rester vraiment à l'essentiel. Demeurons en prière. Aujourd'hui, c'est dimanche. Ce n'est pas un hasard si j'ai reçu l'alerte aujourd'hui. Prions pour notre frère, quoi, Justin. Toi qui vas au temple aujourd'hui, prie pour ton frère. Toi qui es à la maison, prie pour le frère, quoi, Justin. Prie pour lui. Et que Dieu puisse le protéger jusqu'à ce que les médecins arrivent pour pouvoir l'aider. Car Dieu est le grand médecin, il est le médecin absolu. Prions, prions, prions. Merci les amis. Du courage les amis, c'est pas facile. Du courage à ses parents, du courage à ses frères et sœurs, du courage au FPI, du courage à nous les Ivoiriens. Car on aurait pu être dans cette même situation. Les amis, je vais vous laisser. On se dit à tout à l'heure. Merci. Merci aux nouveaux qui me suivent. Et merci encore aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. On se dit à tout à l'heure. Bye bye.